ta carte blanche, Lolo, tu as voulu parler du tourisme. Oui, parce qu'effectivement, la Polynésie est un pays magnifique qui est... Bon, j'ai pas de solution miracle, hein, mais c'est juste une réflexion. C'est sûr que c'est une destination lointaine, plus lointaine que les autres, donc plus chère, ça on est d'accord. Le truc, c'est qu'on bénéficie toujours de cette idée du rêve et du paradis. Et quand on est en vacances, où que ce soit, et qu'on nous demande, aux États-Unis par exemple, « Where do you come from ?» et qu'on dit qu'on vient de Tahiti, les gens font tout de suite « Oh, paradise !» Et donc cette idée de Tahiti paradis, plus que Polynésie, parce que Polynésie c'est vraiment Tahiti paradis, ça existe toujours. Et donc il faut absolument, à mon avis, capitaliser sur cette notion-là. Alors, je ne sais pas s'il faut mettre ça entre les mains de bureaucrates spécialistes du marketing ou de faire un concours de photos dans la population, partant du principe que la Polynésie, c'est peut-être les Polynésiens qui en parlent le mieux. Et je sais que quand les gens viennent ici, ce qui les émerveille, c'est le lagon turquoise, c'est où Donc, c'est ces choses-là, à mon avis, qu'il faut vendre et avoir une réflexion, évidemment, sur... les tarifs, réouvrir la concurrence aux compagnies aériennes, etc. Et puis expliquer que oui, c'est plus loin, oui, c'est plus cher, mais il y a une raison. Et... Alors après, ça passe par tout un tas de choses, mais parfois des choses simples, comme la propreté des plages, le fait d'avoir une capitale qui soit accueillante pour les touristes, avec des trottoirs où on puisse marcher. L'autre jour, j'avais ma voiture en panne, j'étais comme un malheureux avenue Prince Inouï. C'était Survivor, hein, pour marcher dans l'avenue du Prince Inouï, c'était un truc de malade, quoi. Donc, si c'est pas des grands travaux haussmanniens qu'il faut faire, c'est juste des choses logiques, avec des promenades, avec des magasins ouverts, avec des gens accueillants, des horaires redimensionnés, et les gens auront envie de venir ici, autrement que pour voir des rideaux de fer qui sont peints de toutes les couleurs, dans une ville qui est morte à partir du samedi après-midi. Et puis, ça donnera peut-être envie aux locaux aussi d'aller faire leurs courses en ville plutôt que à Los Angeles, Honolulu ou ailleurs, quoi. Donc, tout ça pour dire qu'à mon avis, il y a des solutions simples. Il suffit juste d'avoir une réflexion qui va scanner un peu toutes les données du problème. Et puis, peut-être faire participer la population aussi. Et le pays est un beau pays qui mérite d'être visité. Et... Comme tu es un spécialiste des petites phrases qui frappent, si tu avais un slogan à trouver pour le tourisme en Polynésie, ça serait quoi? Je réserverais la primeur du slogan que je trouverais à Tahiti Tourisme.